le grand étonnement des personnes sourdes ou malentendantes qui participent au stage. Donc on part pendant une semaine avec les gardes du parc, avec des interprètes en langue des signes, des interprètes professionnels, qui nous expliquent la montagne, la géologie, les fleurs, les refuges, etc. Partager ce qui nous est précieux, faciliter l'accès à des espaces d'exception, faire connaître au plus grand nombre les merveilles de notre patrimoine naturel. C'est le pari réussi du partenariat qui unit depuis 2008 GMF avec les parcs nationaux de France, sur le thème « La nature en partage ». Dans une mission importante et généreuse, faciliter l'accès de ces espaces protégés à tous et en particulier aux personnes en situation de handicap. Dans ces joyaux de la nature que sont les parcs nationaux. On emmène des personnes qui n'y auraient pas forcément accès, c'est évidemment quelque chose d'important. Et pour moi, ça résonne fort avec ce que nous devons faire d'une manière générale dans la société vis-à-vis de la nature. Mieux connaître pour mieux respecter. Concrètement, il s'agit de rendre accessibles les maisons des parcs, d'aménager certains sentiers de randonnée, de proposer des outils d'information et des sorties adaptées aux différents handicaps, moteurs, mental, auditif et visuel. Donc ce partenariat, par son nom, par ses priorités, c'est vraiment un partenariat qui vise la solidarité. La solidarité vers ces personnes-là, mais entre ces personnes et tous les autres. Et on voit bien que ça fonctionne et qu'il y a des échanges et que ce qui profite à ces populations-là, évidemment ciblées, en fait, profite à tout le monde. Quand on s'attache aux personnes en situation de handicap, indirectement, on touche aussi, et c'est pour nous très important, toutes les familles avec des jeunes enfants. La montagne peut paraître comme un milieu hostile, comme un milieu difficile, comme un milieu réservé à une certaine catégorie de personnes. Et toutes les actions menées dans le cadre du mécénat favorisent vraiment à casser cette image-là et à favoriser l'accès au plus grand nombre. Trois branches d'arbres, un arbre en trois parties. La première partie qui est ici. On travaille avec les associations pour la définition des besoins en termes de sensibilisation à l'environnement, au moment de l'organisation des sorties adaptées, au moment des partenariats à monter avec les structures d'accueil. Le partenariat entre GMF et les parcs nationaux français a permis de lancer une dynamique. Une dynamique de prise en compte de l'accessibilité de l'ensemble des territoires des parcs depuis plus de 10 ans. Les agents des parcs ont pris conscience de la nécessité d'accueillir tous les publics et qui se sont fortement investis dans le développement d'outils dédiés aux personnes en situation de handicap. Notre plus belle expérience a été d'accueillir des enfants sourds en grande difficulté. Vous avez effectivement le nid du gypaète avec le jeune gypaète qui est encore dedans. Donc il est un peu marron, gris, on ne le voit pas très bien, il est un peu dans l'ombre. Les professeurs étaient un peu inquiets. Et à la fin du stage, les professeurs n'ont plus reconnu leur élève. Un autre axe du mécénat s'ouvre à la restauration de la biodiversité, avec la réintroduction d'espèces emblématiques disparues, comme le lamantin dans les eaux de Guadeloupe. Certains moments sont émouvants, comme le lâcher de bouquetin ibérique dans les Pyrénées. Le bouquetin des Pyrénées avait disparu du versant français depuis plus d'un siècle. Aujourd'hui, c'est 21 naissances que nous on a pu dénombrer, donc c'est un réel succès. Le mécénat GMF, avec les parcs nationaux de France, valorise aussi l'accessibilité sociale sous la forme de services civiques ou de chantiers d'insertion à l'emploi. Aujourd'hui, j'accompagne un groupe scolaire, des élèves de 4e, pour être au contact de la nature et sensibiliser le public justement à préserver ce milieu particulier. S'adressant aux jeunes, ces actions recouvrent des missions d'accueil, d'information ou d'aménagement.
partenariat a une importance toute particulière pour nous. Donc on y retrouve les valeurs d'humanité, les valeurs de respect, et on ne s'appelle pas assurément humain pour rien. C'est vraiment ça qui est intelligent, c'est que les gens qui ont porté ce mécénat, ils ont réussi à concilier le gagnant-gagnant, hein, et un bon mécénat, c'est ça en fait, c'est qu'il y a des bénéficiaires, et là ils sont très mélangés. Donc il s'est passé plein de choses pendant ces 10 ans. Le challenge, c'est évidemment qu'ils en passent autant, ou voire plus, dans les 10 ans qui viennent. 2008-2018. Depuis 10 ans, le mécénat GMF est à l'origine de la réalisation de plus de 80 actions financées sur les territoires des 10 parcs nationaux de France. Ce partenariat est reconduit. L'action et l'aventure humaine se poursuivent et s'enrichissent de nouvelles perspectives.